Bien voilà, bienvenue sur T'Eternel du Conseil Galactique Temporel. Nous sommes donc le 18, mais c'est quoi? Le mercredi 18. Ouais. Mercredi 18 avril de l'an de grâce de Men in Black 18. Je viens d'aller voir un film, c'était l'apparition. En fait, c'était là. C'était super bien! Oh, j'ai chouiné tout le temps. C'était à 19h30. J'étais à peine là, bon. Comme c'était bien, en fait, c'est une histoire d'une apparition. Ça s'appelle l'apparition, comme ça. Mais le mec s'appelle vraiment Christophe et la fille, elle s'appelle Myriam. C'est comme mon mariage au Maroc, tu vois. Et puis là, il y avait un questionnaire. Oh, bah, j'ai rempli. Hein. En quoi ce film me touche-t-il? Ben, c'est du vécu, Myriam. Et le type, c'était Christophe. Qu'est-ce qui me revient spontanément en image? Le mariage à la lune d'Annonciation 2009 au Maroc. Qu'est-ce qui me réjouit, me désole, me questionne? Que des cathos bourges niveau 1. Pas moyen d'en placer une. Parce qu'il y avait. Il y avait pas l'interview, mais tu sais, tu pouvais parler après, tu vois. J'ai pas réussi à parler. L'apparition, j'ai chialé tout le long, bah oui, c'est du vécu. À la recherche du sens. Hélas, quoi. Voilà. Le réalisateur l'entend éprouver le désir de savoir où il en était par rapport à la question religieuse, la foi, pour lui, le doute est devenu une force de vie et de cinéma. Quelle résonance a pour vous ce titre, Apparition? C'était exactement vrai, ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Marié aux cigognes à la lune d'Annonciation. Oh là là. Le propos se veut loin des clichés de représentation médiatique, des débats sous le choc des civilisations, le retour du religieux et du dévouement intégriste ou encore l'Église et ses scandales. Quelle image l'Église donne de ce film? Bourgeoisie de plouc. En fait, comme disait la mère à Michel, tu sais. Ah! Pendant ce temps-là, moi je travaille, hein. Ils vont à la messe pour se faire pardonner. C'est bref, Michel le raconterait mieux que moi. Anna semble sincère, désarmante dans son innocence, prisonnière de ceux qui veulent diffuser sa parole et son image. Prisonnière aussi de sa promesse à son ami. Elle vit ce sacrifice jusqu'au bout. Peut-on parler d'imposture? Alors, point d'intégration égal, ben, j'ai épousé Myriam. En fait, il voulait les sous du gaouri et je me suis fait enculer. Bon, faut pas le dire comme ça, c'est grossier. Bon, je suis pris dans la grosse république, on va dire. Voilà. La foi, voyage incognito. Alors ça, c'était balèze, ce moment-là. La foi, voyage incognito. C'est comme le foie, d'ailleurs. La foi est un choix libre et éclairé. Avec une preuve, il n'y aurait plus de mystère. Et pourquoi vous voulez des preuves? C'est le monde de l'invisible. Jacques, le reporter, passe de l'enquête à une quête intime et secrète. Comment ce film ouvre-t-il au spirituel? Par du vécu. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Multireligionnel, multisurpape. Catholman, le cathol vrai, enfin, le cathol. Il ment pas, Catholman. Protestodoxe, bouddhisto-tibétain, brahmo-cistercien, multi-surpape. C'est vrai que c'est en criblo, et puis tu pouvais pas en placer une. T'sais. Oui, il fallait parler du film, nanana. J'ai voulu parler, j'ai pas pu parler. C'est comme ce matin, mais c'était un super ciel Montmartre aujourd'hui, putain. Le yoga ce matin, c'était génial. Enfin, génial, ouais, c'était cool. Après, il y a Tata, après, il y a maman. Après, il y a Michel, après, il y avait Eric. Tout ça. Et après, il y avait Patrice et voir le film. Ça, c'est bon pour l'esprit. Le seul truc, c'est que vous n'en avez pas. Tu vois, c'est des programmes. Ils sont bloqués du disque mou. Même le disque dur, il va plus vite que vous. Enfin, bref. Il n'y a pas d'âme dans le programme.
Vous êtes des collabos de système de fils de pute de merde. Pardon, je dis toujours des gros mots. Bah écoute, moi je suis prophète de garage. Hein. J'ai pas fait Saint-Cyr. J'ai pas appris à mentir au peuple. Hein. Suis pas escrogi, moi. Pas Sarkozy, moi. Pas Berlusconi. J'ai la berluse connie. Même pas Ciotti. Hein. Non, ils sont gentils. Oh, qu'ils sont gentils. Tous les noms en i, la plupart du temps, à part Molinari. À part Corti, Philippe Corti. Sinon, c'est tous des enculés. Costard cravate, là. Coup de pied dans la bouche, là. Coup de gifle, coup de baffe, là. Coup de boule, là. Bon, enfin, voilà, je m'énerve pas plus. Puis, je vais pas l'envoyer ce soir, de toute façon. Demain, réunion de l'échange, de partage et de savoir. Oh là là. Faut encore que je me lève, putain. Ça sera bien la première semaine depuis au moins un an ou deux que je me lève trois fois d'affilée. Moi, je suis mis en noosphère. Hein. Oh. En fait, c'est entre 10 h et midi, midi et demi, tu fais les plus beaux vrais songes. Ah là, c'est pas la télé. Hein. Puis d'abord, travail, ça vient du grec, ça veut dire torture. Voilà. Envoyé spatial pour t'éternel poète.